Salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prison Architect. Oh yeah! Et qu'est-ce que tu fais tout seul, sale garde au milieu du yard, même pas encore fini? Enfin bref, nous reprenons la prison, là où nous l'avions laissé. Alors par contre je remarque qu'il y a toujours le petit bug, alors ça j'espère que ce sera corrigé dans les prochaines mages. Vous voyez, puisque dans le planning normalement là... Vous voyez là, on dirait que ça fait des carrés, ça considère ça comme des murs alors que j'ai mis planning pathway, mais ça bug, ça considère ça comme des murs à chaque fois que je recharge la sauvegarde. Donc tant qu'on construit pas, on va laisser comme ça, sinon ça va être chiant, je vais pas le refaire à chaque fois, ça sera casse-couille. Donc j'ai réussi tout seul à construire la prison, le bâtiment était bugué donc faut qu'ils installent, bon, ils ont la porte à mettre. Bref, voilà quoi, c'est un peu le bordel. Les douches sont finies, il manque plus que ben, le... Ah ben oui, la tuyauterie, c'est sûr. J'avais pas pensé à ça. Vas-y. Voilà, donc la petite tuyauterie, comme il faut. Tac, tac, tac. Et hop là. Voilà. Et merde. Tac, tac. Sur les... tous les côtés. Les douches, alors ouais, c'est bon, on a réussi. Donc la douche, voilà, ouais, ben y a pas d'eau, mec. Tu vas attendre deux petites secondes, oui, deux petites secondes. Le directeur qui est toujours tout seul dans son bureau désert, il y a toujours le brouillard de gare. Va falloir qu'on installe des comment ça s'appelle, des caméras de sécurité. Je galère. Ah, oh. Ah ouais, il crie maintenant. Là, j'ai jamais fait gaffe, ça. Oh my god. Et les nouveaux prisonniers viennent d'arriver. Mais je comprends pas, c'est... J'ai mis l'option pour pas qu'ils se ramènent tous les jours, et finalement, si. Bref. Ah, c'est peut-être parce que dans le holding cell, il y a de la place. Bon, bref, voilà 10 nouveaux prisonniers. On va bientôt pouvoir licencier du personnel. Ouh là là, je galère. Du personnel, oui. Alors j'espère qu'ils sont pas allés dans les cuisines, normalement non. Est-ce que dans la cuisine c'est alimenté? Ah. Voilà, c'est fait. Donc les frigos, faut qu'ils soient bien sûr alimentés, sinon ça n'a aucun intérêt. Bah tiens, j'y pense. Je vais le faire directement là. Voilà, comme ça, ça c'est fait. Il me semble aussi que les gazinières ont besoin d'électricité. Donc la cuisine se construit, ça c'est bien. Ah, il faut que j'arrive à me déplacer. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui a essayé d'utiliser la douche. Bref, c'est un peu la merde. Ouais, ça commence à être un peu la merde. Donc, moi, ce que je voulais faire, il faut que j'arrive à... Voilà, décidément. Le yard, donc je voulais rajouter des objets, puisque oui, bien sûr, on va pas mettre une cour sans rien du tout, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on va leur mettre des petits arbres, écoutez, hein, ça fait plaisir d'avoir un peu de verdure. On va mettre quelques arbres. Il y a déjà des... Je dis pas qu'il y a déjà des... Ah ah, il y a déjà des... Un baston. Oh, sa gueule. Mais heureusement, ça a été vite maîtrisé. Bon, bah aucun problème, il y en a un, il s'est pris. Oh, ils ont déjà dégradé la porte. Ça va plus là. On arrête de dégrader la porte des chiottes, les gens, s'il vous plaît. C'est précieux. Alors, où sont les bancs de musculation? Musculation. Alors, attendez, je suis bigleux ou... Ah, bah voilà, c'est ça, voilà. Donc, musculation, comme il faut. On va en mettre, voilà, hein, pas trop, mais juste ce qu'il faut, quoi. Voilà, quelques-uns, histoire qu'ils aient la forme, quoi. 4, voilà, bon, ici comme ça, voilà, voilà, on fait ça uniformément. On va mettre quelques robinets, voilà, c'est juste histoire que... et on va mettre, bien sûr, j'avais pas pensé à ça, de l'herbe. Oui, on peut mettre de l'herbe, vous allez voir. On peut faire des trucs sympas avec différents sols. D'ailleurs, dans la douche, je voulais carreler. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Va falloir que je fasse attention à ça.
Ok. Bon, écoutez, je vais faire avec les touches fléchées parce que sinon ça va être la merde. Là, il y a déjà des problèmes. Faudrait qu'il smite dans... Oh! Oh, le garde! Putain, le garde. Le garde, garde! Garde! Viens là! Il y a un prisonnier qui est resté dans la douche. Un insurgé! Comment on fait pour l'arrêter? Comment on fait? Serge Shell Block, Serge Shell, Serge Prisonnier. Il est en train de... Oh, mais... Allez, go! Fonce! Putain, il est blessé! Il va crever! Oh! Oh, oh, la baston! Oh, le pauvre Workman! Ah, le pauvre, il est un petit peu blessé, un tout petit peu. Bon, bah, il continue d'installer les tuyaux, écoutez, hein. No problème. Donc, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, il leur faut l'électricité. Nickel. Parfait. Ils vont pouvoir préparer la bouffe, là ils installent l'herbe. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Et il dégrade le matériel déjà. Oh lui il a un couteau. Oh là là, on va rajouter des gardes les gens. Tac. On va rajouter des gardes. Et j'ai toujours pas débloqué le déploiement. Oui, vous allez voir, c'est dans bureaucratie ça normalement. Il me semble que... Ouais, il faut que je débloque... Ouais, enfin il faut que je... Que je débloque le garde. Look at your, you require deployment. Et comment ça deployment? Ah oui, ça doit être une recherche, d'accord. Je vais la rechercher, écoutez, hein. Déploiement, parce que sinon ça va être un petit peu la merde, hein. Je dois vous l'avouer. On va bientôt embaucher ce qu'on va faire. On va embaucher tac tac un fireman. Enfin un fireman, un pompier, qu'est-ce que je dis? Un comptable. Un foreman, ça je sais pas exactement ce que c'est, enfin on va dire en traduction, je sais pas exactement ce que c'est. Chief, bah chief de la sécurité, mais là vraiment, oh putain. Va falloir que je construise une infirmerie d'urgence. D'urgence, d'urgence. Parce que là ils en ont pris un sacré coup, vous voyez, il y a deux gardes inconscients. Oh là 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 là. Heureusement que c'est bientôt terminé. Bon bah, alors je sais plus où j'ai dit que je la ferai. Ah oui, c'est vrai. Je me dis que je la ferai là. Ouais. C'est ça. Tac. Voilà. Et donc. Alors ici, on va mettre une door. Non, on va mettre une large jail door. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire l'infirmerie. Ah, j'espère que j'aurai assez d'argent. Ah, alors qu'est-ce qu'il me faut ici? Faudrait que... Ouais, je fasse plus de... Non, les cellules, c'est bon, ça, en fait. Et c'est la baston totale. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, là? Putain, c'est la merde, hein. Et pourquoi il rentre dans la cuisine, lui? Putain, c'est déjà le... N'importe quoi, ils sont déjà tous blessés dans cette prison. Auto-saving. Bah, regardez-moi ça, trois inconscients, ils sont tous arrêtés, ils sont tous à moitié morts. Il n'y a plus de respect là, hein. Même les agents d'entretien sont pris pour cible, quoi. Alors ça va plus là, moi je dis, faut arrêter là. Est-ce qu'ils ont réussi à construire les pipes? On dirait pas, il y a du sang partout. C'est l'heure du yard. Ah, j'ai pas encore défini l'emploi du temps, mais bon, tant que... Voilà, c'est un peu compliqué, tant que les... Ah oui, l'eau aussi, ici. Tac. Faut penser à tout ça. Hein. Bon, les cuisines sont prêtes, les douches. Bon, il y a du boulot encore. J'ai pas compris ce qu'ils foutent. Ils restent à la porte. Ils ont pas compris le système. Ok, ici, ça se construit. On va pouvoir faire l'infirmerie. Bah, il nous reste juste assez d'argent. Hop! On va prendre le mur. Bon, on va attendre que le bâtiment se termine. Tac, 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 tac. Alors, espérons qu'il n'y ait pas d'autres incidents. Allez, un petit bout de mur là, non? Ah. Allez, ouvre. Open. Il manque un bout de mur, les mecs. Ah non, il manque plusieurs bouts de mur. Open, hein, écoutez. Ok, c'est bon, on n'a pas eu de problème. Wall.
On rajoute tout de suite le petit... Ah oui, merde, attendez. Alors, résultat... Si je dis pas... Ouais, on va faire un truc comme ça. Tac, tac. Et... Tac. Donc, object. C'est parti pour la... Ben, l'infirmerie. Alors, room, infirmerie. Infirmerie, infirmerie. Alors, où est-ce? Infirmerie. Je suis sans doute bigleux, mais... Ah, c'est incroyable, ça. Oh là là, putain. Je suis vraiment aveugle. Ah, bref. Ok, alors, qu'est-ce qu'il faut dans l'infirmerie? On va mettre ça tout de suite. Des medical bed. Medical bed. Ah oui, par contre, faudrait... Ah, je suis un petit peu con. Une porte, s'il vous plaît. Une porte avec une staff door juste ici pour que le personnel puisse entrer. Ouais, donc alors morgue, ça on va la faire plus tard. On va faire des medical bed. Tac, voilà comme il faut. Tac, tac, tac. Il en faut un nombre assez conséquent, hein, vu. Le nombre de personnes qui se font déchirer la gueule. Voilà, ça, ça devrait suffire. Et on va embaucher tout de suite un docteur. Qui vaut 1000. Ouh, j'ai bientôt plus de fric. Ok, les portes ont été construites. Bah, c'est nickel, voilà, l'infirmerie est faite. Ah, il n'y a pas d'électricité. Oh, ouais, pour faire venir l'électricité, ça va être un petit peu compliqué. Oh, il faut que je fasse gaffe à ça. Oh là 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 là, capacitor. On va en rajouter un. Hein, ça devrait suffire. Bon, au pire, ils ont pas besoin de lumière. Non, je déconne. C'est méchant. Tac. Alors, ça va. Non, ça va. Les câbles électriques coûtent pas trop cher. Donc, toi. Alors, qu'est-ce. Ah oui, il faut qu'ils installent les. D'accord, ok. Ok. Ok, ok, ok. Il faut que j'arrête de dire. Ok, le repas est en train de se faire. Bon, écoutez, ce qu'on va faire là, c'est que. On va jeter un coup d'œil au. Oh là 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 là, la mare de sang. Ah, il y a les gardes. Il va falloir que je. Que je vire un peu de workmen aussi. Parce que là, je pense que c'est bon. Bon, on va faire ça. Alors, je sais plus où c'est. Shift tab. Attendez, excusez-moi. Voilà, report. Parce qu'il y avait ce message de merde. Ouais, on va virer. Bah, lui, on va le virer. Pourquoi je peux pas le virer? On va virer. Pourquoi je peux pas les virer? D'accord, ok. C'est bon. Ça l'a viré. Bon, alors là, ils vont gentiment. Oh là là! Encore une baston. Encore une baston. Oh là là, oh là là, c'est la merde. Bon, au début, c'est toujours un petit peu la merde. Toi, qu'est-ce que tu fais, Michel? Oh là, putain. Le mec, il regarde. Ah, ici, il manquait un peu d'herbe. Voilà, regardez, c'est magnifique, notre petit yard. Bon, alors, maintenant, il va falloir qu'il fasse venir l'électricité. Qu'est-ce qu'il a, lui? Eh ben, allez, qu'est-ce que t'attends? Tu vois pas qu'il y a la porte, là? Oh là là, oh là 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 là. Matériel, je crois qu'il y a un mur là normalement et un mur là. Je dis pas de connerie. Ça, on va le laisser tout le temps open. Ok, bon, les docteurs, voilà, ok. Ils commencent à ramener les prisonniers à l'infirmerie. Il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et on va peut-être jeter un petit coup d'œil à l'emploi du temps finalement. On va régler ça, comme ça ce sera fait. Alors. La qualité de la nourriture, alors moi je suis pour une qualité élevée, hein, parce que même moi, même si c'est un peu idéal, enfin c'est utopique bien sûr. Hein, ah, deux familles waiting to visit. Ah, il y a des visites. Ah, serait peut-être intéressant que visitor table, ouais, que je mette des... ouais, voilà quoi. On va mettre des tables de visiteurs. Voilà quoi. Évidemment, elle est pas symétrique là.
Oh, ça coûte une blinde. Bon, je vais en mettre que deux. Est-ce que l'électricité arrive? Ouais, l'électricité arrive, sauf qu'il manque un câble juste là. Alors évidemment. Donc voilà, des familles vont arriver demain pour aller rendre visite à leur petit prisonnier, leur petite famille. Ok, donc on revient à l'emploi du temps. Donc j'ai dit, je suis plus pour de la qualité, de la bonne qualité, parce que même si on est dans un jeu vidéo, moi en vrai je serais pour de la bonne qualité, parce que moi voilà, j'adore la cuisine. Bref, j'adore mon... Bref, qu'est-ce que tu fais? Voilà, le mec il était coincé, bon c'est pas grave. Donc ça coûte plus cher par jour et par prisonnier. Donc on a un total de $288 par jour pour tous les prisonniers de la prison pour l'instant. Si j'augmente la qualité. Et on va dire pareil. Moi pour ce qui est de la bouffe, voilà, $30. Mais bon, on va peut-être... Non, on va peut-être laisser médium pour l'instant et après on augmentera la diversité. Donc, alors déjà, on va dire que sleep, ils vont dormir jusqu'à 7h. Voilà. À 8h, ils prennent la douche. On va dire une heure de douche. Ouais, une heure de douche. Donc ensuite, ils ont une heure de free time. Non. Ils vont manger. Ils ont 2 heures pour déjeuner. Voilà. Ensuite, ils ont un free time. Ah j'arrive pas. Ensuite, non. Ensuite, ils vont au yard. Voilà, ils ont un temps de cours. Ils ont un free time à 12 heures. Ils mangent de 1h à 2h encore. Ils ont encore un yard de 2h. Cette fois après ils ont free time pendant 3h tout l'après-midi. Voilà, alors je regarde ce qu'il y a. Ah oui, il y a le temps de travail maintenant aussi, résultat. Donc ouais, ils ont 1 heure de yard. Bon, on va faire 2 heures de work. Même si j'ai pas... Ouais, mais j'ai pas encore d'atelier. Donc on va mettre free time. Et il y a encore une baston. On va mettre free time, hit pendant 2 heures. Et après, sleep à 10 heures. Ok, voilà. C'est fait. Et il y a encore la baston. Oh, mais décidément ici. Avec des fourchettes. Wow. Ils se battent avec des fourchettes. Oh, il y a un mec qui s'appelle France. Toi, viens là. T'as une fourchette. Et il est en train de frapper sur le... Oh, c'est la mort, là. C'est la mort, là. Je crois qu'on a un petit problème. Et va soigner, toi. Qu'est-ce que t'attends? Allez, le docteur va partir soigner, parce que là, ça va plus. Mais ils ont des fourchettes. Ils ont des fourchettes, les types. Oh là. Bon, alors le docteur faut qu'il se magne, hein, parce que là... Bon, on va embaucher d'autres docteurs parce que hein, ça va plus là. On va embaucher un autre docteur, voilà. Et là j'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, il faut qu'on build a kitchen. Ah, mais j'ai pas mis la kitchen. J'ai oublié de la mettre, la kitchen. Voilà. Ça c'est la kitchen. Voilà, on a terminé un objectif. Nickel. Alors, ici, hire psychologist. Psychologist. Je l'ai pas. Il faut que je fasse la recherche pour avoir l'argent. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vendre un petit peu. Je vais vendre un peu de... Ouais, de garde. Open. Oh, sa gueule, hein. Ouh là là, c'est pas content. Et là, heureusement qu'il y a un docteur. Donc le docteur, il... Ok, alors là, les gardes sont soignés. C'est nickel. Ouh, on a pu réagir assez vite, finalement. J'ai eu peur. Heureusement, là, les trois gardes peuvent repartir au boulot. Deux docteurs, ça suffit pour l'instant. Mais on avait grand besoin de docteur, là. Parce que là, c'est la mort. Et en plus, il faut qu'ils réparent. Ça va me coûter, ça. Donc ils ont plus rien à faire. On va rajouter des cellules, tiens. Non, on va attendre minuit. Ah bah c'est passé minuit. Ah d'accord, j'ai déjà été payé. Ok. Ça on va. Normal. C'est encore le... Eh, y en a qui se rebellent, hein. Ah, ils sont tous arrêtés, les types là. Ça on va le remettre en normal. Ça on va le mettre en normal aussi, pareil. Ça, normal. Vous allez voir que
quand le déploiement sera fait. Alors je ne comprends pas pourquoi il... 5 heures. Ah mais je suis teubé moi, bah oui, mais j'ai pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Évidemment je peux pas débloquer le... Oui. Faut que j'achète un chief. Bon bah je vais acheter le chief. J'ai plus que 250$ les amis. Qu'est-ce qui se passe? Danger. The overall danger level of your prison according to your security chief. Ok d'accord. Ça nous donne droit à un nouveau menu. Donc le chef a son petit bureau. C'est bon. Et la recherche du déploiement peut débuter. Comme ça, ce sera plus simple, vous allez voir. Ce sera plus simple. Je pense qu'on va faire une entrée pour le personnel de la, dans la prison. Ça va être plus simple, vous allez voir, ça va être drôle. Là, ce sera l'entrée où, où les prisonniers transiteront. Et on fera une autre entrée un peu plus haute, ou je sais pas où, pour le personnel. Vous voyez ça, normal. Et ça, normal. Voilà. Ok, donc les gardes, ça va. Elle est toujours dans un état pas possible. Bon, ok, ils sont soignés. Ils ont pris cher, les pauvres. Bah, ils sont tous attachés. Bon, bref, c'est la merde. Hein. Bon, va falloir qu'ils se fassent soigner. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ok, bon, là, ça va. Alors, je me demande si je pourrais pas... Ouais, je vais virer encore. Hein. On va garder que 6 workmen. Je pense que c'est une bonne moyenne. Parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de faire beaucoup de travaux. On va faire passer le temps vite. Comme ça, les prisonniers vont pouvoir les soigner. Oui, alors. Par contre, je me rends compte. Ouais, ça en fait, finalement. Faut pas que je le mette. Faut que je le mette en normal. Ça aussi, il faut que je le mette en normal. Ici, il va falloir que je construise plus de cellules. Mais j'ai pas de fric. Danger, the prisoner of serious complaints. Ok, il y en a, ils ont des blessures plutôt importantes. Ok, ok. Bon, les nouveaux prisonniers arrivent bientôt. Toi, t'es toujours dans un état complètement waouh. Donc, il faut des gardes pour accueillir. Il faut des gardes. Des gardes. Parce qu'ils arrivent dans une heure là. Et dans une heure pétante, on a les 8 nouveaux prisonniers. Hein. Alors toi, bah vous deux même. Bah, au lieu de vous la... Bah, voilà quoi. Je me comprends. Eh hey, mais je suis con. Mais putain, je suis con. Bah tant que j'ai pas construit... Je suis vraiment con. Tant que j'ai pas construit ici, j'avais pas pensé vu que c'est le plan. Mais il n'y a pas de mur ici, je suis bête. Ils peuvent se déplacer où ils veulent. Et oui, et oui, et oui. Livraison de bouffe le matin à 7h, voilà, comme il faut. Ils sont déjà en train de préparer le petit déjeuner. Ouais, ils auraient pu s'y mettre un peu avant, non? Bon, c'est en train de cuire, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a? Des patates, du chou. Bon, voilà quoi, repas de prison. Ils ont pas bien eu le temps de faire la vaisselle. Faudrait que j'embauche peut-être un cuisinier en plus hein. Mais comment je fais pour refuser des prisonniers? Parce que là, j'ai plus de place hein. Le holding cell, là, ça va péter dans pas longtemps hein. Et puis merci. Oh, ça c'est des familles. Oh regardez, c'est mignon. Elle a un tout petit peu bugué puisqu'elle a un corps invisible. Elle a 36 ans, c'est un petit peu bizarre quand même. Oh, il y a le grand-père. 58 ans. Il nous faut un garde ici. Un garde. Dites pas qu'il n'y a plus de garde quand même. Oh, ils sont où les gardes? Bon, on va laisser ça ouvert parce que... Hein... Bon alors... je sais même pas s'ils vont pouvoir voir leur famille, notre petite famille là. Enfin, parce que pour l'instant, voilà quoi. Et lui, il est toujours bloqué dans sa cellule. Tant qu'un garde ne vient pas lui ouvrir. C'est pour ça que vous allez voir que grâce au déploiement, bah on l'a débloqué, tiens, en parlant de ça. On va pouvoir, alors le menu déploiement nous permet de dispatcher nos gardes pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces. Pour surveiller, par exemple, vous voyez, on peut définir des zones bien particulières de la prison. Par exemple, des zones réservées au personnel, aux prisonniers, voilà, machin. Et on peut définir des zones de patrouille pour les gardes. Sauf que ça, on l'a pas encore débloqué, parce qu'il nous faut... on n'a pas tout, quoi. On pourra, bien sûr, utiliser les chiens. Nouvelle fonctionnalité, super bien. Et on pourra dédier une zone au travail. Donc, avec le workshop et tout le bordel. Voilà, donc les gardes, on va dire... Il nous faut un garde là, vous voyez, quand on clique sur le bâtiment,
Ça veut dire qu'un garde restera tout le temps ici. Il nous faut un garde dans le holding cell, voire deux. C'est très important, deux gardes dans le holding cell. Un garde dans la cantine. Et le dernier, ben le dernier. Le dernier il va être ici. Voilà, comme ça nos gardes sont répartis. C'est quoi alors? Staff only, voilà, staff only. On va. Tac, ça c'est seulement pour le staff. Ah oui, on peut dire. Ah ouais, ok. Ok, des zones. Ah non. Non. Non, non. Je voulais pas unlocker cette zone. Maximum security. Alors voilà. Ça, on va mettre maximum. Tac, ça. Maximum security. Parce que là, c'est chaud. Ici, maximum security. Ici, maximum security. Ici. Ouais, bref. Minimum security. Et là. Ah non, merde. Non, non, non. Bah ici on va mettre maximum security. Ici minimum security, voilà. Staff only. On va mettre le storage et tous les bureaux. C'est important. Et ici aussi. Voilà. Donc c'est bon, ça c'est fait. Oh, j'ai plus d'argent. Et là qu'est-ce qu'il nous dit? 15 prisoners of serious complaint. Me dis pas qu'il y a eu une autre baston. Ah, les familles repartent. Mais non, t'es sérieux, ils bastonnent la famille. Non, non. Oh putain. Oh, il va se barrer. Oh, il a failli se barrer. Wouh. Il a failli se barrer, le coquin. Putain, c'est la merde. Ah, c'est la merde. On est déjà au quatrième jour et c'est la grosse merde. Bon, eux, ils ont mangé. Bon, ils ont 2 heures pour manger. Ça, ça. Ils ont 2 heures pour manger. Mais il est 3 heures là. Ah oui, d'accord, ok, non, c'est parce que je sais pas lire en fait. Alors, il leur faut. Voilà, tac, qui lui rouvre la porte, voilà. Normalement, j'ai un garde qui est ici, qui s'occupe du yard. Où est-il ce gredin? Ah, mais il est là, il est encore. Bon, ils vont tous rentrer par là, hein, ils vont pas faire chier. Bon, j'espère qu'ils vont pas déclencher une putain de baston. Toi, tu vas aller. Tu vas aller là, hein. Non, parce que là on peut pas se permettre, hein. On peut pas se permettre une nouvelle baston là, ce serait trop, ce serait trop, ce serait trop. Bon bah les workmen n'ont plus vraiment grand chose à faire. On n'a pas fait les cellules d'isolement, tiens. Va falloir que je le fasse ici, mais j'ai plus de fric. D'ailleurs, on va jeter un œil à nos finances. Alors je sais plus comment je fais. Mais j'ai. Ah putain, mais il faut que j'achète. Faut que j'achète la finance. Staff. Staff, staff, staff. Bah écoutez, on va pas l'acheter maintenant, hein. Ouais, le problème c'est que ouais, je sais pas combien je peux gagner en fait. Mais heureusement là on a 24 prisonniers. Bon, il y a pas assez de cellules, hein. J'en ai fait que bah, 8. Ouais, j'ai pas assez de fric, hein. Il y en a 8 qui vont dormir là dans les cellules et les autres qui vont rester dans le holding cell. Ah, c'est la merde, hein. Ouais, faut que je mise sur plus de cellules là. Il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Le problème c'est que je peux avoir 10 000 ans. Oh. J'ai plus de grant. Non, c'est un peu la merde. Je dois bien vous l'avouer. Ouais, il nous faudrait. Ben ouais. Un psychologist. Et ça, c'est encore la merde ici. Parce que. L'eau, ben. Ne dis pas qu'il y a eu baston encore. Ah, il y en a qui n'ont pas eu le temps de se doucher. Ouais, le docteur va falloir qu'il y aille. Allez, docteur, tu vas me soigner ce garde parce que c'est pas normal d'avoir un garde blessé, hein. Dans cette prison, ce n'est pas possible. Heureusement, le danger ici baisse. Par contre, la fleur. Ah, mais je suis con! Mais oui, oh là là, je suis con. J'avais oublié de mettre des drains. Heureusement que ça vaut rien. Hein. Et oui, il faut des drains. Et vous voyez que là, la prison commence à être dégueulasse. Va falloir qu'on embauche des. D'ici pas longtemps des. Bah, des nettoyeurs quoi, des. Ah oui, parce qu'il faut. C'est quoi ça? Cell. Brew. Cell. Ok, c'est déjà des cellules. Attendez, j'aime pas quand c'est comme ça. On va faire ça. Ça. Voilà, comme ça on sait que c'est des cellules. Ok, c'est l'heure de la bouffe.
Alors, il y a quoi de bon ce soir? Des saucisses, du bacon, des pommes de terre? Bon, écoutez, les amis, on va se laisser à minuit, je pense. Heure précise, oui. Et l'autre qui bloque. C'est bon. On a les drains. Parfait. Et j'ai laissé le temps rapide. On va se laisser à minuit, hein. Et puis on reprendra dans le prochain épisode. Et là, c'est dégueulasse. Bon, c'est crade. Quand on aura un peu plus d'argent, parce que là. Mais normalement, on devrait gagner, hein. J'ai viré du personnel. Vous voyez, staff, voilà, on n'a pas trop de personnes, ça va. Et on a 24 prisonniers. Alors là. Maximum safe capacity. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est la capacité maximum de sécurité, quoi. Bref, je ne sais pas. Bon. Ok, c'est l'heure de pioncer. Alors, il nous faut un garde. Bon, il y a la moitié qui vont... Ah, room. J'ai oublié de... celui-là. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Ils vont tous dormir dans le holding cell. Et les mecs, vous avez des cellules, là. Attendez, je me suis peut-être gouré dans le déploiement, non? Non. Bref. Bon. Oh, putain. Ah, c'est incroyable, hein. Tout le temps de la baston. Tout le temps de la baston. Oh, bah voilà, j'ai plus de thunes. Ils sont en train de niquer les chiottes. Et on va gagner de l'argent, attention, les amis. Ok, on a 2000. Ouh. C'est déjà ça, bon, ils vont... Oh, putain, ça va être la merde, déjà, ils vont... Bon, déjà, ce qu'on va faire, c'est bureaucratie, finance. Et, psychologist. Ça, on va faire ça. Voilà. Et j'ai déjà plus de thunes. Non, c'est pas ça. J'arrête pas de me gorer. Ok, c'est ça. Contains. C'est ça. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai plus que 500 thunes. Et je gagne 1300 par jour. Ok, pour l'instant. Ils arrêtent pas de détériorer le matériel. Bon bref, en tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter. Enfin bref, voilà quoi. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.